Hello à toutes et à tous, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je dis à chaque fois la même chose dans mes intros. C'est fou cette originalité que j'ai quand même. Bon, je vous ai mis comme ça parce que là-bas il y a la sueur. On s'en fout, mais je tiens à le dire. Donc, encore un haul. J'adore faire les hauls. En ce moment, si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. Mais on peut pas faire que ça. Donc, je ne fais pas que ça. Ok, bon, Chloé, on s'en fout. Alors du coup, d'abord, je vais vous parler de ceci. C'est un haul qui mélange tout. Il y a de la friperie à la fin. Je vous la montre à la fin. J'ai commandé ceci sur AliExpress. Ce sont des petits écouteurs sans fil. Un peu comme les AirPods. Donc vous avez le câble avec. Comme c'est ça, vous branchez. Pour les charger, évidemment. Et sinon, bah, ça se met dans vos oreilles. Comme ceci. Et puis voilà, vous entendez de la musique. Alors, je les ai payés 8 € il me semble sur AliExpress. Je vous remettrai le lien du site sur le... Enfin, le lien du vendeur où je les ai achetés. Et je les mets dans une petite boîte parce que j'ai pas commandé la boîte. J'ai commandé juste les écouteurs et je les mets dans une petite boîte qui vient de chez Action. Voilà, que ma grand-mère m'avait acheté. Donc, c'est parfait. Je pense que de base c'est fait pour ça, c'est fait pour les écouteurs. Mais pour les écouteurs avec fil, ou mettre des câbles ou un truc comme ça. Voilà. Ensuite de chez Pinky, je me suis acheté ce sac. Qui est juste... C'est une tuerie, on est d'accord? Il est magnifique. Il est juste trop beau. Donc il est comme ceci. Il a une petite pochette devant. Et une grande pochette ici. Il est juste... Je l'aime beaucoup trop ce sac. Donc voilà, une grande fan. Forcément il passe pas avec tout, mais c'est mon nouveau bébé. Il est trop beau. Bon, je parle pas souvent de sac à main parce que je suis tout le temps à l'école, donc j'ai un sac à dos, mais pour les week-ends je le trouve trop bien. Ensuite, toujours chez Pinky, je m'étais pris cette robe parce qu'elle est en sol. Oh là là, les rayures à la caméra, c'est horrible. Donc voilà, cette robe chemise un petit peu. Évidemment, vous aurez... Je sais pas pourquoi je le dis, parce que je le fais tout le temps. Enfin bref, je couperai ça au montage. Donc voilà, une robe comme ceci qui est vraiment trop jolie. Je l'aime trop, elle est trop canon. Par contre, elle est pas épaisse quoi, elle est... C'est pour le printemps. Parce que vu qu'elle a des manches longues, on peut pas trop la mettre en été. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, chez Nose, j'ai pris cette petite jupe. Si vous me suivez sur Snapchat, je vous le mets là. Vous l'avez déjà vu. C'est une petite jupe comme ceci. En daim beige. Elle est trop belle. Vous voyez, elle est un peu coupée en bas. Enfin, franchement, elle est trop jolie. Je l'aime trop. Elle est trop jolie. J'ai aussi pris ce petit t-shirt qui vient de chez Mim, mais qui était à Action parce que Mim a fermé. Donc voilà, il était à 6 € moins 60%. Et la jupe était à 4 € moins 50%. J'ai pris aussi des paires de chaussettes pastèques. Il y en a 3, mais j'en ai déjà mis une paire parce que j'ai trouvé trop mignonne. Alors que j'en avais acheté juste avant chez Action des blanches que je n'ai pas encore ouvertes. Parce que je me dis au moins, celle-là, je les garde pour plus tard. Et des collants. Mais les collants, j'en avais acheté 2 paires et la première est morte juste en la mettant. Donc voilà. Et avant de finir pour la friperie, je me suis commandé sur Amazon un shampoing rouge comme voilà, qui est un shampoing repigmentant, enfin, ouais, repigmentant si c'est écrit, pour la couleur rouge de Venise, reflet acajou au burn. Bon là c'est pas le même, ça c'est un nouveau, mais vous voyez qu'hier j'ai un shampoing rouge déjà comme ça qui vient pas de cette marque. Je voulais tester cette marque parce que je retrouvais pas celle que j'avais avant,
Mais vous voyez que franchement ça fait des super reflets, je l'ai fait hier. Et en fait bah, je l'applique, avant je le mélangeais avec mon shampoing, je me lavais les cheveux, je les ai posés. Hier ce que j'ai fait c'est que je l'ai mélangé avec mon après-shampoing. Et je l'ai laissé poser aussi. Et franchement j'ai l'impression que ça a grave repigmenté mes cheveux. Mais après est-ce que c'est parce que je fais une fixette là-dessus ou pas, je sais pas. Donc voilà. Celui-ci, je crois qu'il s'applique tout... Enfin, l'autre aussi s'applique tout seul, mais... appliquer sur cheveux humides, masser, faire mousser, laisser poser 2 à 3 minutes, puis rincer. Ah, je croyais que c'était à faire sur cheveux secs. Bah non, bah vous voyez, j'ai cru. Donc voilà, je pense que je le remélangerai aussi avec mon après-shampoing, c'est des petites choses. Oh, j'ai oublié! Chez Noz, ma maman m'a acheté ces chaussures-là, qui sont trop trop belles. Je suis désolée maman, je t'aime fort. Seule elle comprendra. Et franchement, voilà, elles sont trop belles. Et du coup, pour terminer... Wow. Pour terminer sur la friperie. Alors, j'ai un pantalon qui manque, qui est chez ma maman, parce qu'elle doit le recoudre. Donc vous le verrez dans un haul de friperie quand j'en ferai un plus tard. Tandis que j'y retourne, j'y vais une fois par mois. Donc... j'ai pris ce pull là qui est un pull crop top. Bon voilà, j'ai une passion pour les pulls crop top, c'est... ah j'ai un truc dans l'œil, c'est horrible. C'est un truc de ouf. Donc celui-là il a un grand col, vous voyez, donc parfois on voit un peu la... comment ça s'appelle ça? La bretelle du soutif. Mais sinon il est très joli, il est en laine. Je sais pas quelle marque c'est, il n'y a aucune étiquette. Ensuite, j'ai pris un petit gilet. Lui aussi je suis accro franchement. Il est trop beau, j'ai encore porté aujourd'hui. Voilà. Il vient de chez H&M et c'est un petit pull, vous voyez, avec des petites perles. Comme ça, franchement il est trop. C'est une taille S mais... je l'aime trop. Enfin, franchement, il est tout simple. C'est trop bien. Ensuite. Ah, il me manque un haut. Je vais aller le chercher plus tard. J'ai pris cette petite chemise. Alors, je vous avouerai que je sais pas trop encore ce que ça donne sur moi. Je n'ai pas trop essayé. Ça se trouve, j'ai pris une chemise qui était beaucoup trop grande. Ça m'arrive très souvent. Il n'y a pas de taille. C'est la marque Georgia & Joe. Voilà. Donc une petite chemise là, elle ressemble pas à grand chose. Hein. Je vous avouerai que... elle fera mieux porter, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux petits hauts. Alors c'est les mêmes, donc je vous les présente en même temps. C'est les mêmes. C'est deux petits hauts Vichy rouge et noir. Qui viennent aussi d'H&M. Attendez, je vais vous présenter. Comme ceci. Et ça s'attache autour du cou. Vous verrez mieux avec les images à mon avis. Parce que même moi quand je les porte, quand je les mets, je suis un peu... je sais pas trop les mettre. Donc voilà, rouge et noir. Et un pantalon. Alors je pensais que le pantalon allait avec le haut, sauf que c'est pas le même carreau. Donc ça fait pas top top. Je suis pas satisfaite. Pourtant c'est H&M aussi. C'est une taille 38. Et ça vient de Bangladesh. Mais ça doit dater ces trucs-là parce que je reconnais. Enfin, l'étiquette H&M mais plus comme ça. Mais voilà. Voilà pour ce petit haut. Ce petit bas. Et voilà ce que j'avais oublié. C'est ce petit haut qui est un petit peu crop top. Parce que c'est un ML mais qui fait plus un S hein, très clairement. Pas serré dedans parce que c'est une matière, vous voyez, élastique, mais c'est très près du corps. Mais j'aime beaucoup la coupe du col, etc. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. C'est une couleur qu'on voit jamais. Enfin, je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est un camel mélangé un peu à du orange. Enfin, c'est une couleur que je vois très rarement, quoi. Puis la matière, vous voyez, c'est un peu effet sport. Donc voilà, je le trouve sympa. Bon bah voilà, j'ai fini ma vidéo, hein, vous voyez ça, je suis allée peut-être un peu trop vite mais j'avais pas mille choses à vous présenter. Voilà, c'est parce que j'avais fait un gros
une grosse dépense en friperie. Donc voilà. Si ça vous intéresse, dites-moi que je fasse une vidéo avec ma maman où on vous présente nos plus belles pièces en friperie, parce que je vais toujours en friperie avec ma maman. Et elle s'achète toujours plein de choses comme moi. Et j'avoue qu'on a accumulé certaines pièces qui sont dans l'originalité de notre garde-robe. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Voilà. Parce que ma mère, c'est la championne des bons plans. Je vous le dis. c'est pour ça que maintenant, je cherche que des bons plans. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.